الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال له تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال له تعالى حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال له تعالى أثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال له تعالى مجدني عبدي فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك مالك يوم الدين قال له تعالى مجدني عبدي فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال له تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم وابو داود والترمذي Certes que les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, demandons son aide, implorons son pardon. Nous demandons sa protection contre le mal que nous inspirent nos âmes et contre le mal de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah Azzawajal guide, personne ne pourra l'égarer. Et celui qu'Allah Azzawajal garde par sa justice, personne ne saurait le guider. J'atteste avec la ferme conviction qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est que Allah. Et j'atteste que notre bien-aimé, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le messager d'Allah Azzawajal. Ya Ibadallah, la meilleure des paroles est le livre d'Allah Azzawajal. La meilleure des pratiques est celle de Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Les choses les plus mauvaises en matière de religion, ce sont les nouveautés. Et toute nouveauté dans la religion est une innovation. Toute innovation dans la religion est un égarement. Et tout égarement dans la religion mène en enfer. Qu'Allah Azzawajal nous en préserve de cette mauvaise destination. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah et ne mourrez que totalement soumis. Ne mourrez que totalement soumis. Craignez Allah. Tout, nous disons souvent aux gens, Ittaqillah, Ittaqillah ici, Ittaqillah ici. Mais c'est quoi la taqwa? C'est quoi Ittaqillah? C'est quoi craindre Allah? La crainte d'Allah, c'est quoi? C'est le fait de mettre une barrière entre toi et Allah et les interdits d'Allah. Regardez, la même manière qu'il y a une barrière entre nous et les femmes, c'est la même manière que toi tu mets une barrière entre toi et les péchés, et comment la dirais-je, et les interdits d'Allah. Si Allah t'interdit quelque chose, alors tu mets la barrière. Tu mets la barrière, pourquoi? Cela fait partie de la crainte d'Allah Azzawajal. Pourquoi tu dois craindre Allah Azzawajal? Parce qu'il est quoi? Il est dur en punition. Naam, nous récitons 17 fois par jour Ar-Rahman, Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais nous oublions souvent qu'il est quoi? Dur en punition, chadé de l'Ikor. Alors mes frères dans la foi, il dit, et ne mourrez que totalement soumis. Soumis à qui? Est-ce que nous serons soumis à l'homme ou bien à Allah Azzawajal? Ici, la soumission est totale à Allah Azzawajal. Elle est quoi? Totale à Allah Azzawajal. Pourquoi? Parce que les savants de l'islam disent, pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Non. Mais maintenant, aujourd'hui, j'aimerais seulement partager
un seul hadith avec vous. Si je me place ici, ce n'est pas parce que je connais mieux que vous. Non, je ne connais pas mieux que vous. Ou bien je ne suis pas meilleur que vous. Non, je ne fais qu'appliquer le verset d'Allah Azzawajal qui dit quoi? Wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Faites le rappel, car le rappel est quoi? Profitable à qui? Aux croyants, pas aux musulmans. Aux croyants, parce que les musulmans sont divisés. Il y a les musulmans, dans les musulmans, il y a les croyants, il y a les pervers, et il y a les hypocrites. Et ça ne date pas de notre époque, ça date depuis alayhi salatu wa salam. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam est mort, les musulmans se sont divisés en trois groupes. Ils ont fait quoi? Ils se sont divisés en trois groupes. Il y a un groupe qui a eu à dire, Muhammad est mort, nous on ne paye plus la zakat. Un autre groupe a dit quoi? Muhammad est mort, l'islam est fini. Et un groupe qui est resté dans le droit chemin. Et voici comment Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il est venu au minbar comme je suis là. Il a dit quoi? Ayyuhan nas, man kana yabudu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana yabudu Allah, fa inna Allah hayyu la yamut. Ça veut dire quoi? Le point Abu Bakr Siddiq dit, ô homme, ô gens, que celui qui adorait Allah, que celui qui adorait Mouki, Muhammad, regardez, il n'a plus dit messager d'Allah, il n'a plus dit prophète d'Allah, il a dit Muhammadan. Que celui qui adorait Muhammadan, qu'il sache que Muhammad est quoi? Mort. C'est la même chose. Les adorateurs du mois de Ramadan, là. Avant Ramadan, ils ne viennent pas à la mosquée. Après Ramadan, ils ne viennent pas à la mosquée. Pendant Ramadan, les mosquées sont pleines. Elles sont pleines à craquer dans tout le monde entier. Au début, surtout les 10 premiers jours là. Au milieu là, ça diminue. Alors à la fin là, c'est le 27e jour. Comme eux, ils adorent Allah, c'est par période. Ils adorent Allah, c'est par période. Voici, Ramadan est mort, Ramadan est fini, c'est fini. Les mosquées maintenant, on part quand on veut. On ne connaît la mosquée peut-être que vendredi. Et les autres même, c'est seulement que Ramadan prochain. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors, donc, Abu Bakr Siddiq dit que celui qui adorait Muhammad, qu'il sache que quoi? Muhammad est quoi? Mort. Mais que celui qui adorait Allah, qu'il sache que Allah est vivant, il ne meurt pas. Donc c'est pour dire quoi? Les savants de l'islam, ils nous disent que celui qui veut parler à Allah Azwajal, lorsque tu veux parler à Allah, tu fais deux rakats. Tu vas faire tes ablutions. Dans les ablutions là, avant de sauter là, quand on fait les ablutions, on met de l'eau à la bouche là. On ne met pas le doigt à la bouche là. Prends, il y a les frères, quand ils font les ablutions, ils prennent de l'eau, ils mettent à la bouche là. Après, ils font. Non, on ne fait pas ça. Ça là, c'est pas venu. Le prophète n'a pas enseigné ça. C'est là, à la fin des ablutions aussi. Beaucoup là, ils font quand là, ils prennent de l'eau comme ça, ils font quand. À chaque fois là, il a là. Ça là aussi, on ne fait pas ça. Personne n'a enseigné ça. Ça là, on a seulement copié. Et ça, c'est quoi? Ce sont les innovations. Donc, lorsque tu viens faire la prière, les savants te disent que si tu veux parler à Allah Azwajal, tu fais deux rakats, tu parles à Allah Azwajal. Mais maintenant, si tu veux qu'Allah Azwajal te parle, tu prends le Coran, tu lis. En lisant le Coran, c'est pas toi qui parles à Allah, mais c'est Allah qui te parle. Alors, Allah, il nous a dit que dans le Coran là, il y a une grande sourate. La sourate là comporte plusieurs noms. Moi, je ne connais pas tous les noms. Moi, je connais seulement combien? Peut-être sept. Dans les sept là, le premier nom que je connais, c'est quoi? Umul Quran. Qui est quoi? La mère du Coran. Ah, chacun connaît, c'est quoi l'importance de la maman. Voici pourquoi un compagnon est venu voir alayhi salatu wa sallam. Il a dit, oh ya Rasulullah, si j'ai quelque chose, à qui dois-je donner entre mes deux parents? Le prophète lui a dit quoi? Ta mère. Il a dit, non. Si j'ai encore quelque chose, à qui dois-je donner? Il a dit, ta mère, trois fois ta maman, une fois papa. Cela montre que la maman est au-dessus. Elle a beaucoup de bienfaits. Umul Quran. La même sourate, c'est quoi? Asasul Quran. Asasul Quran, c'est quoi? La base du Coran. Si nous sommes allés assis là, parce que en bas là, le soubassement là est bien. Si ce n'était pas ça, là, l'étage là devait s'écrouler. Troisièmement, cette sourate là s'appelle quoi? Al-Waqia. La chose qui doit être réalisable. Oui, parce qu'avec cette sourate, on peut bien faire beaucoup de choses. Cette sourate aussi s'appelle quoi? Al-Kafia. La chose qui nous suffit. Comment nous suffit? Non. Tu peux faire, tu peux te réveiller, tu peux venir prier. Dans les quatre rakas, tu récites seulement soit Waqia, Kafia, Umul Quran. Ta prière est quoi? Juste. Mais si tu amènes un autre verset, c'est la sunna. C'est juste quoi? La sunna. Mais ta prière est juste avec soit le Kafia. Cette sourate, elle est comment? Alhamdu. Qui est quoi? La louange. Non, pourquoi? Parce que nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah. Tu remercies qui? Allah. Tu loues Allah. Mais tu ne peux pas remercier l'homme. Il y a une différence entre le remerciement et la louange. Comment ça se fait?
Si moi je viens dire au frère autour de ce toit, je lui dis, Yacher, merci. Il doit me dire, merci pourquoi? Le merci, c'est dit seulement après un service. En temps, la louange, c'est dit à tout moment. Allah t'a fait du bien, tu dis merci. Il t'a pas fait du bien, tu dis merci. Toujours. Cette sourate s'appelle comment? Ashifa. Ah! Nous, là, quand on a les problèmes, là, on s'est dirigé d'abord chez les marabouts. On va voir les alpha marabouts, là. Oh non, alpha, moi, j'ai un problème. Entre temps, tu as la solution dans la maison. Tu as le médicament dans la maison. Un compagnon appelé Saïd Al-Koudri, il a soigné quelqu'un qui a été mordu du scorpion avec quoi? Sourate Shifa. Cette sourate s'appelle comment? Al-Fatiha. Qui vient de Fataha. Qu'est quoi? L'ouverture. Si vous ouvrez le Coran là, quand vous allez regarder comme ça, la première sourate qui est là, c'est quoi? Sourate Al-Fatiha. L'ouverture. Cette sourate s'appelle comment? As-Sala. Ah! Pourquoi As-Sala? C'est pas toi, c'est pas moi. C'est pas alayhi salatu wassalam. Mais c'est Allah qui a appelé cette sourate As-Sala. Donc là, maintenant, je tombe dans quoi? Le hadith que je venais de réciter. D'après Abi Hurayra, il dit qu'il a écouté le prophète alayhi salatu wassalam dire qu'Allah Azzawajal a dit, lui Allah, qu'Ossam tu salata. Ah! Que Allah Azzawajal, lui, il dit, il divise la prière en deux parties égales. Donc toi papa, toi maman, toi ma soeur, jusqu'à ce que tu dois mourir, il faut retenir que sourate Al-Fatiha est divisée en deux parties. Une partie est pour Allah, une partie est pour le serviteur. À la part de Alhamdulillah Rabbil Alamin jusqu'à Iyyaka Na'budu. Regardez comment Allah est juste. Vraiment mon Seigneur est très juste. Masha'Allah Tabarakallah. Mais l'homme est ingrat. L'homme est quoi? Ingrat. Les gens, quand ils invoquent Allah, ils invoquent Allah. Quand ils n'ont pas Allah, ils disent non. Depuis là, moi j'invoque Allah, il ne me reprend pas. Non, tu es ingrat. Allah Azzawajal, il est juste. Regardez. Il y a des mariés ici là. Papa, tu es marié. Il va me répondre. Le prophète posait les questions. Moi, je te pose les questions. Je peux te poser, tu me dois me répondre. Est-ce que tu es marié? Toi, tu es marié, papa. Hein? Réponds-moi. C'est permis. Toi, tu es marié? Tu es marié? Tu divises ton salaire entre toi et ta femme à deux? Ah! C'est ça le problème? Parce que pour dire que nous sommes justes là, on doit aussi diviser toi entre madame et nous. Mais on dit quoi? Madame, on lui donne un peu là. On lui donne un peu le cas. On lui donne un peu. Et on cache l'argent. On cache tout. Parce qu'il ne faudrait pas que madame sache que j'ai l'argent. Ça, c'est quoi l'ingratitude? Chacun se reconnaît. Ah! Donc, je n'ai rien dit, chacun se reconnaît. Donc, pour revenir sur le vif de notre sujet, c'est quoi? Allah Azzawajal, il dit, lui, il a divisé la prière en deux parties égales. Deux parties comment? Égales. Et à son serviteur, il lui donne ce qu'il lui demande. Ah! Non, mais Allah est très gentil. Il est vraiment gentil. Et lorsque le serviteur dit, louange à Allah, alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah Azzawajal dit, mon serviteur m'a fait de louanges. Mon serviteur m'a loué. Il y a les frères, quand on passe là, quand on voyage, moi qui voyage un peu beaucoup là, quand tu viens parler, tu dis, on doit parler du tawhid, il dit, non, 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 non. Tawhid, 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 là, vous nous fatiguez avec tawhid, tawhid. Non. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? L'imam Bukhari, rahimahullah, il dit, al-ilmu qabla al-qawli wa al-amal. La connaissance avant la parole et l'acte. Lui, il dit, ne me parlez pas tawhid, tawhid, là, ça me fatigue. Tout simplement parce qu'il ne connaît pas. 17 fois par jour, il récite le tawhid. Le tawhid est divisé en trois parties. Il y a le tawhid, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans ses attributs, et attributs, l'unicité d'Allah dans son adoration. Ça se retrouve dans quoi? Sourate Al-Fatiha. 17 fois par jour, il récite ça. Mais il ne sait pas. Mais il boule quand même. Ah, on a bâti. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Louange. Pourquoi tu fais la louange à Allah? Parce que Al-Mahabba, tu as l'amour pour Allah. Tellement que tu as l'amour pour Allah, pour ses bienfaits. Alors, avant de passer à l'Ounia, tu regardes devant ton popcorn. Les bienfaits qu'Allah a fait sur toi, là. Tu dis Alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah, bini amati tatimu salihat. Tu as besoin de quelque chose? Demande à Allah. Lui, il ne peut pas t'aider. Mais s'il était bon, pourquoi il t'a dit de payer? Il t'a dit de payer parce que c'est toi qui as eu nourrir.
comme il est tellement pauvre là. Attendez, y a pas, le Bénin n'est pas plus riche que l'Arabie Saoudite. Mais pourquoi les grands là, les grands marabouts là, ils ne vont pas en Arabie Saoudite direct? Parce que là-bas on coupe la tête. Comme il a peur d'être coupé la tête là-bas, il ne peut pas partir. Oui, il ne peut pas partir. Il doit, si il quitte le Bénin, il va d'abord. Il quitte, il va là-bas, il va là-bas, il va, il tourne seulement là où il va trouver les ignorants pour tromper. Est-ce que vous voyez un peu? Mais lui là, s'il meurt comme ça, si c'est un musulman, s'il meurt comme ça, sa place c'est l'enfer. Il a mort là, là il y a un fur, oh, il y a un kabiri, il y a un fur, maradona, zadika, l'imam yacha. Toi mon frère, lorsque tu portes gris là, même si c'est écrit avec le Coran, parce qu'il y a des gens qui disent non, mais ça c'est seulement il y a tout le coursi. Mantara la katami matan fakon ashra. Le prophète dit que celui qui attache un gris, il a cette donné des assujets à Allah. Je vais vous poser une question et vous me répondez. Moi, tu quelqu'un vient me voir, il dit Yahissa. Moi, vraiment, j'ai entendu parler qu'Ayatul Kursi protège. Est-ce que tu peux me faire Ayatul Kursi quelque part? Je prends Ayatul Kursi, j'écris là, j'écris bien, waf, je mets dans le papier, c'est bien Ayatul Kursi, je mets dans le papier, j'attache, je prends le tissu ou bien je prends le cuir, j'attache bien, je couds, je donne le frère, je lui dis tiens. Il dit, Inch'Allah, tu ne peux pas mourir avec ça. Le frère va, ici le Kafoula, c'est comment? Ah, ici le docteur Kafoula, c'est comment? Hein? À votre. Bon, il arrive à un trou là. Voici comment la voiture lui tamponne. Bam! Il tourne, il tourne, il tourne, il tombe. Waouh! Il est en bon état. Dites-moi, il doit penser à l'autre, il doit penser à Yatul Kursi. Hein? Répondez-moi, c'est permis de répondre. J'ai le droit de vous poser des questions. Il a pensé à qui? À Yatul Kursi. Est-ce qu'il a associé? Il n'a pas associé. Pas qu'à l'enfant. Donc arrêtez déjà. Il y a les savants qui disent que non, on peut prendre Ayatul Kursi pour se protéger. On dit non, alayhi salatu wa sallam a dit quoi? De réciter Ayatul Kursi après chaque prière. Après chaque, il a dit de réciter. Ils ont amené le hadith de qui? Abdallah ibn Amr al-As. Qui dit, ils disent non, Abdallah ibn Amr al-As, il faisait ça écrit à ses enfants. Non, il faisait écrire ça à ses enfants et il faisait porter ça à ses enfants au cou. C'était pourquoi? C'était pour l'éducation. La mémorisation du Coran. Donc, pour n'importe, pour que les enfants ne se balayent pas n'importe comment, il dit aux enfants d'écrire eux-mêmes. Dans une planche, après quoi, ils mettent ça au cou, et quand il y a un petit temps libre, ils lisent. C'était pas dans l'intention de se protéger. Parce que Abdallah ibn Amr, lui, il savait que la protection vient de Allah Azzawajal. Alors, lorsque tu dis, Maliki Yawmiddin, Allah Azzawajal dit quoi? Mon serviteur m'a glorifié. Non, tu as glorifié Allah Azzawajal. Allah Azzawajal est content de toi. Mais le problème, c'est que tu oublies que tu dois rendre compte. Oui, comment? Il y a les frères là. Il t'a quitté à tout le mazloum. Quelle est la vocation de l'opprimé? Comment ça? Parce qu'il y a des frères. Quelqu'un vient te voir, il te dit j'ai besoin d'argent. Est-ce que tu peux me prêter l'argent? Le frère t'a prêté l'argent. Tu jures même, Wallahi, dans deux jours, je viens. Wallahi, dans deux jours, je vais venir te rembourser ça. Et maintenant, dans les jours qui suivent, tu es incapable de venir rembourser ça. Et quand le frère vient te voir et tout, toi, tu ne rends pas ça. Tu ne rends pas ça, tu fais quoi? Tu te fâches. Et après, c'est toi qui lui dis, amène-moi où tu veux. Tu lui dis quoi? Amène-moi où tu veux, tout simplement parce que tu as quelqu'un, tu comptes sur un policier, tu comptes sur qui? Tu comptes sur qui? Mais, le problème dans ça, c'est quoi? Allah, le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit à moi, il t'a quitté à tout le mazlum. Quelle évocation de l'opprimé? Parce que quoi? Il n'y a pas de voile entre Allah et son invocation. Et pour terminer, il dit, tu as été musulman. Et dans le musulman, là, tu n'as pas cherché à rester musulman. Mais tu t'es perfectionné pour être quoi? Croyant. Tu as fait pour être croyant là, c'est difficile. Pour être croyant, c'est difficile. Alors, mais tu as tout fait pour être croyant. Voici comment le jour d'Al-Qiyama, il y aura les croyants qui vont venir par miséricorde d'Allah. Ils vont rentrer moubacharatan au paradis, sans jugement. Ils rentrent seulement. Il y aura les autres qui vont venir. C'est un bon croyant. Mais ici et là, les bonnes actions. Ici, il a un peu les péchés. Pour le petit péché là, Allah ne lui fait pas miséricorde. Allah l'envoie où? En enfer. Allez faire quoi? Se purifier. À condition qu'il garde quoi? La clé du paradis. Miftahu Jannah, la ilaha illallah. Point de divinité, digne d'adoration, si ce n'est que Allah. Si tu as préservé cela, tu n'es pas allé voir un marabout, tu n'es pas allé voir un ganga, tu n'es pas allé voir Is. Oui, les frères dans la foi. Surtout les hommes là, je commence avec les hommes. Les hommes là, quand ils veulent voyager là, quand ils veulent aller à Dubaï, ou bien ils veulent aller en Chine, ils vont voir qui? Le Nganga. Ils vont voir qui? Le Marabout. Ils vont voir qui? Le Vodouman. Ils vont voir qui? Tout le monde. Parce qu'ils veulent demander la route. Ils veulent que la route soit facile. Papa,
petit frère, grand frère, en allant là, allez seulement chez lui là. Tu es allé avec l'intention de demander quelque chose. Pendant 40 jours, tu viens dans la mosquée faire le sport. Tu viens faire quoi? Le sport. Parce que ta, comment on appelle ça? Ta prière pendant 40 jours n'est pas exaucée. Comme le frère parlait du Hajj là, même si tu vas au Hajj maintenant là, pendant 40 jours, c'est nul. Ta prière n'est pas exaucée. Tu arrives là-bas, il te dit vraiment, pour aller là, là où tu vas partir là, moi j'ai une solution pour toi. Il faut que tu portes gris-gris là. Tu penses là, tu mets, tu pars à la maison. Toi tu es Fakor de Kafara. Tu es devenu Kafra même si tu t'appelles Mohamed. Papa Mohamed, toi-même Mohamed, ta fille Mohamed, ta maman Maïmouna, tu es devenu Kafra Bila. Tu es devenu quoi? Kafra Bila, c'est pas moi qui dis, c'est le prophète qui dit. Donc, arrêtons d'aller voir les marabouts. Ils ne peuvent pas t'aider. Tu as besoin de quelque chose? Demande à Allah. Oui, il ne peut pas t'aider. Mais s'il était bon, pourquoi il t'a dit de payer? Il t'a dit de payer parce que c'est toi qui vas lui nourrir. Comme il est tellement pauvre là. Attendez, y a pas, le Bénin n'est pas plus riche que l'Arabie Saoudite. Mais pourquoi les grands là, les grands marabouts là, ils ne vont pas en Arabie Saoudite direct? Parce que là-bas on coupe la tête. Comme il a peur d'être coupé la tête là, il ne peut pas partir. Oui, il ne peut pas partir. Il doit, si il quitte Bénin, il va au Gabon. Il quitte, il va là-bas. Il va là-bas. Il tourne seulement là où il va trouver les ignorants pour tromper. Est-ce que vous voyez un peu? Mais lui là, s'il meurt comme ça, si c'est un musulman, s'il meurt comme ça, sa place l'enfer. Il a l'or là, yafiru ayushan kabiri, wa yafiru maradona zadika, l'imam yasha. Toi mon frère, lorsque tu portes gris-gris là, même si c'est écrit avec le Coran, parce qu'il y a des gens qui disent non, mais ça c'est seulement Ayatul Kursi. Mantara katami matan fakon ashra. Le prophète dit que celui qui attache un gris-gris, il a cette donné des instructions à Allah. Je vais vous poser une question et vous me répondez. Moi, tu quelqu'un vient me voir, il dit Yahissa. Moi, vraiment, j'ai entendu parler qu'Ayatul Kursi protège. Est-ce que tu peux me faire Ayatul Kursi quelque part? Je prends Ayatul Kursi, j'écris là, j'écris bien, waf, je mets dans le papier, c'est bien Ayatul Kursi, je mets dans le papier, j'attache, je prends le tissu ou bien je prends le cuir, j'attache bien, je couds, je donne le frère, je lui dis tiens. Il dit, Inch'Allah, tu ne peux pas mourir avec ça. Le frère va, ici le Kafou, là, ça fait comment? Ici le docteur Kafou, ça fait comment? Hein? À votre haut. Bon, il arrive à votre trou là. Voici comment la voiture lui tamponne. Bam! Il tourne, il tourne, il tourne, il tombe. Waouh! Il est en bon état. Dites-moi, il a pensé à Allah ou bien il a pensé à Yatul Kursi? Hein? Répondez-moi, c'est permis de répondre. J'ai le droit de vous poser des questions. Il a pensé à qui? À Yatul Kursi. Est-ce qu'il a associé ou bien il n'a pas associé? Bah, donc arrêtez déjà. Il y a des savants qui disent que non, on peut prendre Ayatul Kursi pour se protéger. On dit non, alayhi salatu wassalam a dit quoi? De réciter Ayatul Kursi après chaque prière. Après chaque, il a dit de réciter. Ils ont amené le hadith de qui? Abdallah ibn Amr al-As. Qui dit, ils disent non, Abdallah ibn Amr al-As, il faisait ça écrit à ses enfants. Non, il faisait écrire ça à ses enfants et il faisait porter ça à ses enfants au cou. C'était pourquoi? C'était pour l'éducation. La mémorisation du Coran. Donc, pour ne pas, pour que les enfants ne se balayent pas n'importe comment, il dit aux enfants d'écrire eux-mêmes. Dans une planche, après quoi, ils mettent ça au cou et quand il y a un petit temps libre, ils lisent. C'était pas dans l'intention de se protéger. Parce que Abdallah ibn Amr, lui, il savait que la protection vient de Allah Azzawajal. Alors, lorsque tu dis, Maliki Yawmiddin, Allah Azzawajal dit quoi? Mon serviteur m'a glorifié. Non, tu as glorifié Allah Azzawajal. Allah Azzawajal est content de toi. Mais le problème, c'est que tu oublies que tu dois rendre compte. Oui, comment? Il y a les frères là. Il t'a qui d'avoir tout le mazloum. Quelle est la vocation de l'opprimé? Comment ça? Parce qu'il y a des frères. Quelqu'un vient te voir. Il te dit j'ai besoin d'argent. Est-ce que tu peux me prêter l'argent? Le frère t'a prêté l'argent. Tu jures même. Wallahi, dans deux jours, je viens. Wallahi, dans deux jours, je vais venir te rembourser ça. Et maintenant, dans les jours qui suivent, tu es incapable de venir rembourser ça. Et quand le frère vient te voir et tout, toi, tu ne rends pas ça. Tu ne rends pas ça. Tu fais quoi? Tu te fâches. Et après, c'est toi qui lui dis, amène-moi où tu veux. Tu lui dis quoi? Amène-moi où tu veux, tout simplement parce que tu as quelqu'un, tu comptes sur un policier, tu comptes sur qui? Tu comptes sur qui? Mais, le problème dans ça, c'est quoi? Allah, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit à moi, il t'a qui dawatul mazlum. Quelle est l'invocation de l'opprimé? Parce que quoi? Il n'y a pas de voile entre Allah et son invocation. Et pour terminer, Inch'Allah, je vais m'arrêter là. C'est, Iyyaka na'budu. Lorsque tu dis louange à Allah, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous implorons secours. Allah Azzawajal dit ce verset-là est entre mon serviteur et moi.
et à mon serviteur, je lui donne ce qu'il me demande. Tu as été musulman. Et dans le musulman, là, tu n'as pas cherché à rester musulman, mais tu t'es perfectionné pour être quoi? Croyant. Tu as fait pour être croyant, là, c'est difficile. Pour être croyant, c'est difficile. Alors, mais tu as tout fait pour être croyant. Voici comment le jour d'Al-Qiyama, il y aura les croyants qui vont venir par miséricorde d'Allah. Ils vont rentrer Moubacharat dans le paradis, sans jugement. Ils rentrent seulement. Il y aura les autres qui vont venir. C'est un bon croyant. Mais ici et là, les bonnes actions. Ici et là, un peu les péchés. Pour le petit péché là, Allah lui donne faveur, ne lui fait pas miséricorde. Allah l'envoie où? En enfer. Allez faire quoi? Se purifier. À condition qu'il garde quoi? La clé du paradis. Miftahu Jannah, la ilaha illallah. Point de divinité, digne d'adoration, si ce n'est que Allah. Si tu as préservé cela, tu n'es pas allé voir un marabout, tu n'es pas allé voir un ganga, tu n'es pas allé voir Is. Oui, les frères dans la foi, surtout les hommes là, je commence avec les hommes. Les hommes là, quand ils veulent voyager là, quand ils veulent aller à Dubaï, ou bien ils veulent aller en Chine, ils vont voir qui? Le ganga. Il va voir qui? Le marabout. Il va voir qui? Le vaudouman. Il va voir qui? Tout le monde. Parce qu'il veut demander la route. Il veut que la route soit facile. Papa, petit frère, grand frère, en allant là, allez seulement chez lui là. Tu es allé avec l'intention de demander quelque chose. Pendant 40 jours, tu viens dans la mosquée faire le sport. Tu viens faire quoi? Le sport. Parce que ta, comment on appelle ça? Ta prière pendant 40 jours n'est pas exaucée. Comme le frère parlait du hajj là. Même si tu vas au hajj maintenant là, pendant 40 jours, c'est nul. Ta prière n'est pas exaucée. Tu arrives là-bas, il te dit vraiment, pour aller là, là où tu vas partir là, moi j'ai une solution pour toi. Il faut que tu portes gris-gris là. Tu passes là, tu mets, tu pars à la maison. Toi tu es fakor de kafara. Tu es devenu kafre même si tu t'appelles Mohamed. Papa Mohamed, toi-même Mohamed, ta fille Mohamed, ta maman Maïmouna, tu es devenu kafre bila. Tu es devenu quoi? Kafre bila, c'est pas moi qui dis, c'est le prophète qui dit. Donc, arrêtons d'aller voir les marabouts. Il ne peut pas t'aider. Tu as besoin de quelque chose? Demande à Allah. Lui, il ne peut pas t'aider. Mais s'il était bon, pourquoi il t'a dit de payer? Il t'a dit de payer parce que c'est toi qui vas lui nourrir. Comme il est tellement pauvre là. Attendez, y a pas, le Bénin n'est pas plus riche que l'Arabie Saoudite. Mais pourquoi les grands là, les grands marabouts là, ils ne vont pas en Arabie Saoudite direct? Parce que là-bas, on coupe la tête. Comme il a peur d'être coupé la tête là-bas, il ne peut pas partir. Oui! Il ne peut pas partir. Il doit, si il quitte Bénin, il va au Gabon. Il quitte là, il va là-bas. Il va là-bas. Il tourne seulement là où il va trouver les ignorants pour tromper. Est-ce que vous voyez un peu? Mais lui, là, s'il meurt comme ça, si c'est un musulman, s'il meurt comme ça, sa place est l'enfer. Il a mort là. Là, il y a un fil. Oh, il y a un champ Kabiri. Il y a un fil. Il y a un fil. Il y a un fil. Toi, mon frère, lorsque tu portes gris-gris là, même si c'est écrit avec le Coran, parce qu'il y a des gens qui disent non, mais ça, c'est seulement il y a tout le coursi. Mantara, la katami, matin, fakon, ashrak. Le prophète dit que celui qui attache un gris-gris, il a cette donné des assujets à Allah. Je vais vous poser une question. Et vous me répondez. Moi, tu quelqu'un vient me voir. Il dit, Yahissa, moi, vraiment, j'ai entendu parler qu'Ayatul Kursi protège. Est-ce que tu peux me faire Ayatul Kursi quelque part? Je prends Ayatul Kursi. J'écris là. J'écris bien. Waf. Je mets dans le papier. C'est bien Ayatul Kursi. Je mets dans le papier. J'attache. Je prends le tissu. Ou bien je prends le cuir. J'attache bien. Je couds. Je donne le frère. Je lui dis, tiens. Il dit, Inch'Allah, tu ne peux pas mourir avec ça. Le frère va, ici le Kafoula, c'est comment? Ici le docteur Kafoula, c'est comment? Hein? À votre trou. Bon, il arrive à votre trou là. Voici comment la voiture lui tamponne. Bam! Il tourne, il tourne, il tourne, il tombe. Waouh! Il est en bon état. Dites-moi, il doit penser à Allah ou bien il doit penser à Yatul Kursi? Hein? Répondez-moi, c'est permis de répondre. J'ai le droit de vous poser les questions. Il doit penser à qui? À Yatul Kursi. Est-ce qu'il a associé? Il n'a pas associé. Donc arrêtez déjà. Il y a les savants qui disent que non, on peut prendre Ayatul Kursi pour se protéger. On dit non. Alayhi Salatu Wassalam a dit quoi? De réciter Ayatul Kursi après chaque prière. Après chaque, il a dit de réciter. Ils ont amené le hadith de qui? Abdallah ibn Amr al-As. Qui dit, ils disent non, Abdallah ibn Amr al-As, il faisait ça écrit à ses enfants. Non, il faisait écrire ça à ses enfants et il faisait porter ça à ses enfants au cou. C'était pour quoi? C'était pour l'éducation. La mémorisation du Coran. Donc, pour que les enfants ne se baladent pas n'importe comment, il dit aux enfants d'écrire eux-mêmes dans une planche. Après quoi, ils mettent ça au cou. Et quand il y a un petit temps libre, ils lisent. C'était pas dans l'intention de se protéger. Parce que Abdallah ibn Amr
lui, il savait que la protection vient de Allah Azzawajal. Alors, lorsque tu dis, Malik Yawmiddin, Allah Azzawajal dit quoi? Mon serviteur m'a glorifié. Non, tu as glorifié Allah Azzawajal. Allah Azzawajal est content de toi. Mais le problème, c'est que tu oublies que tu dois rendre compte. Oui, comment? Il y a les frères là. Il t'a qui d'avoir tout le mazloum. Quelle est la vocation de l'opprimé? Comment ça? Parce qu'il y a les frères. Quelqu'un vient te voir, il te dit j'ai besoin d'argent. Est-ce que tu peux me prêter l'argent? Le frère t'a prêté l'argent. Tu jures même, Wallahi, dans deux jours, je viens. Wallahi, dans deux jours, je vais venir te rembourser ça. Et maintenant, dans les jours qui suivent, tu es incapable de venir rembourser ça. Et quand le frère vient te voir et tout, toi, tu ne rends pas ça. Tu ne rends pas ça, tu fais quoi? Tu te fâches. Et après, c'est toi qui lui dis amène-moi où tu veux. Tu lui dis quoi? Amène-moi où tu veux, tout simplement parce que tu as quelqu'un, tu comptes sur un policier, tu comptes sur qui? Tu comptes sur qui? Mais le problème dans ça, c'est quoi? Allah, le prophète alayhi salatu wa sallam dit à Moïse, itaki dawat le mazlum. Quelle évocation de l'opprimé? Parce que quoi? Il n'y a pas de voile entre Allah et son invocation. Et pour terminer, Inch'Allah, je vais m'arrêter là. C'est Iyaka na'budu. Lorsque tu dis louange à Allah, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous implorons secours. Allah Azzawajal dit ce verset là est entre mon serviteur et moi, et à mon serviteur je lui donne ce qu'il me demande. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.